the Backstage. Bienvenue à l'abbaye de Fontfroide. Nous avons la chance de pouvoir faire ici, depuis 8 ans, un festival dédié à la musique, à l'histoire et au dialogue interculturel. C'est un lieu, ces abbayes, c'est un lieu qui a été toujours rempli de musique. Et nous avons chaque année ce privilège de pouvoir remplir de musique ces espaces merveilleux et partager ces belles moments avec un public fidèle, et nous sommes très heureux de la famille Dundalk de nous laisser faire ce festival ici. Ça fait plus de 22 ans et nous ont invités pour faire un chant de la civile ancien avec Monsieur Figueras, mon épouse, et c'est en ce moment-là qu'on a pris connaissance de ces lieux magnifiques. Beaucoup d'années plus tard, nous avons dû enregistrer en été une œuvre et nous n'avions pas de lieu qui s'était approprié et nous avons pensé à Fontfroide. Ce qui est formidable ici, c'est non seulement la musique des oiseaux, c'est les couleurs de la pierre et surtout un mur comme ça qui, en certaine manière, chaque fois que je le vois, ça m'évoque le mur d'alimentation. Ce sont des pierres très anciennes aussi. Et la magie aussi de ces proportions qui sont ici, qui sont vraiment le fruit de différentes suppositions d'époques différentes. L'architecture, le lieu, nous inspire aussi pour trouver les sujets les plus appropriés. Ici, nous sommes dans le réfectoire. C'est une salle où nous utilisons pour des concerts de musique de chambre, des concerts de petite formation. Quelquefois, nous faisons le concert ici, quelquefois le concert au fond. C'est une salle qui a des proportions extraordinaires. Ces voûtes qui sont d'une harmonie absolument extraordinaire. Et là, il y a aussi ce contraste avec cet endroit moyenâgeux et cette cour, qui est une cour déjà inspirée dans le XVIIe siècle et qui est justement la cour de Louis XIV. Là, nous sommes déjà dans des proportions tout à fait différentes. Dès que nous sommes venus ici, il y a 9 ans, avec Monsieur Figueras, nous avons pensé vraiment que c'était un lieu extraordinaire, qu'il y avait tellement d'espace, d'une beauté absolument incroyable, qui permettrait de unir l'espace architectonique avec la musique et l'histoire. Et tout de suite, nous avons imaginé donc un festival qui permettrait de mettre la musique dans son contexte historique. Ça, c'est un joyau aussi de l'architecture de cette époque, toute la richesse de l'ambiance qui est ici, de lumière, et aussi le son. Le son, c'est un endroit où le son se propage d'une manière absolument parfaite. Et souvent, on a fait des concerts aussi dans un angle. Le public écoute des deux côtés. Ça permet de faire des concerts peut-être dans l'après-midi qui sont une atmosphère absolument unique aussi. C'est que l'acoustique de ces différents espaces est l'acoustique idéale pour faire les musiques que nous faisons. C'est-à-dire, par exemple, tous les programmes de musique Moyen-Âge, Renaissance, dans ces espaces, les voix sonnent d'une plénitude que dans une salle de concert, on ne peut pas avoir. Dans ces espaces, une quintette de voix sonne comme un chœur de 30 personnes, parce que le son s'amplifie, le son se développe,
Et la pierre fait enrichir le son avec des harmoniques, avec des fréquences que dans une salle moderne, on n'a pas. Je compare souvent cette expérience, si on écoute un disque, c'est comme si on prenait un bain dans la baignoire, ou dans un espace, dans une piscine contrôlée. Tandis qu'écouter un concert dans un espace comme un abbaye, c'est être dans la mer et submergé, porté par les ondes, par les vagues de l'eau. Donc, c'est une expérience unique qu'aucun enregistrement ne peut reproduire. Là, nous avons une salle absolument magnifique, avec une voûte extraordinaire. Et c'était anciennement, c'était le dortoir. C'est une salle aussi que, quand elle est vide, l'acoustique est très difficile parce qu'elle était très résonante. Mais quand il y a le public, l'acoustique s'équilibre. Et ça permet aussi de faire ici des concerts avec des formations moyennes, ou des récitals, ou des formations de chambre. Cette proportion aussi permet, vous entendez là, ça permet une prolongation du son absolument extraordinaire, de manière aussi que la luth sonne ici comme un piano presque. Le son s'amplifie et ça permet d'être touché par les sons d'une manière beaucoup plus intense que celle qu'on entendrait dans une salle moderne dans laquelle le son tombe, pour ainsi dire, il voyage. Voilà, ici, c'est en ce moment, cette salle magnifique est, on pourrait dire, la salle dédiée à la technique pour les enregistrements de audio et vidéo. Et c'est un peu le paradoxe dans lequel nous vivons. Nous sommes confrontés à travailler, à faire des recherches avec des musiques très anciennes. Et pour cela, on doit aussi utiliser non seulement les instruments d'époque, les techniques d'époque, mais aussi profiter de toute la technologie de notre époque. Voilà, on est là dans le centre de notre activité, cette merveilleuse abbaye, qui est absolument unique. Cette architecture peut sembler très imposante et peut sembler très difficile pour jouer. Quand il n'y a pas de public, c'est vraiment très compliqué. Et c'est une des grandes difficultés des répétitions, parce qu'on s'entend beaucoup moins bien que dans le concert. Mais c'est toujours mieux comme ça. C'est toujours mieux de travailler dans des conditions difficiles et dans le concert se sentir mieux que l'inverse. Et ça me fait penser, par exemple, aux indications qu'on trouve dans l'époque de Lully, dans laquelle on disait, par exemple, que les violistes ou les instruments qui jouaient les instruments graves jouaient l'archer en l'air, on disait. Qu'est-ce qui se passe quand on joue l'archer en l'air? C'est-à-dire qu'on fait un son. J'ai été adopté par cette famille il y a déjà de nombreuses années,
50 ans à peu près. C'est une très belle histoire parce que aujourd'hui en Europe, avec toute cette histoire d'interprétation de la musique ancienne, il y a un peu des écoles, ce qui est très dommage en soi, mais il y a des influences très diverses et des manières de jouer très différentes selon les régions. Moi, je venais plutôt du Nord, parce que j'ai étudié à Amsterdam, j'ai joué beaucoup avec des gens qui étaient ou des Flamands ou des Hollandais, et selon certains préceptes, avec certaines habitudes, et les premières rencontres avec Jordi étaient très bouleversantes pour moi, parce que tout était très différent de ce que je connaissais, et sa seule présence, d'ailleurs, là devant nous, fait que la musique sonne différemment. Et ça, c'est une chose qui est très, 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 très précieuse. Je suis attaché à ces lieux par le souvenir, bien sûr, de mon épouse, Montserrat Figueres, parce que c'est avec elle que j'ai découvert ces lieux il y a plus de 20 ans. Et c'est un souvenir maintenant qui m'accompagne toujours. Ce n'est plus cet souvenir de tristesse profonde que j'ai eue pendant les premières années, années et demie de départ de Montserrat. Maintenant, cette tristesse est devenue une amie. Et je porte maintenant, je pense, la joie d'avoir pu partager avec elle plus de 40 ans de vie, d'inspiration, de travail, de vie d'amour et de travail ensemble. Mezzo Backstage.